Bonsoir. Bonsoir la petite communauté. Allô? Ça Allô. va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, enfin presque très bien. Ah oui, j'ai Mais... vu ton tweet. Ouais, t'as vu. Je parlais de la différence entre faire des vidéos et le fait de faire des streams. C'est que pour moi, enfin dans mon expérience personnelle, c'était faire des vidéos, c'était des mois de souffrance pour un orgasme à la fin. Et pour moi, faire des streams, c'est plein de petits plaisirs, en fait. Plein de petits plaisirs. Il n'y a pas vraiment d'orgasme, on va dire, mais c'est plein de petits plaisirs. T'es dans ta phase petit plaisir là. Ouais, petits plaisirs. Fait 2 ans et demi de petits plaisirs, quand même. Donc. Mais est-ce que t'aimerais refaire un gros orgasme un jour, quoi? Cette Ah, question. écoute. écoute. Je parle pas du tout des vidéos par contre. Ah, oui, bien sûr, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah oui, bien sûr, Je bien n'ai sûr, bien jamais sûr. joui de ma vie, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui était intéressant à faire? L'objectif c'était l'antenne. Ah, mais alors l'antenne. Parce que l'antenne nous permet de nous orienter et d'avancer dans l'histoire, dans le mode histoire du jeu. Si t'as une substance visqueuse, on peut fabriquer l'antenne. Sérieux? Ah bah tiens. Vas-y, donne-la-moi. Hop, vas-y. Attention, je fais l'antenne. Voilà, j'ai une antenne. Ah, bah attends. Je vais venir voir ça. Tac. Nice. Et ben voilà, Non, je merci suppose qu'il beaucoup. faut genre un récepteur avec l'antenne. Oui, il faut plein de trucs. Il faut un récepteur. Il me faut une charnière. Et deux circuits imprimés. Hop, ça y est, j'ai fabriqué le récepteur. Je l'ai. Alors du coup, le récepteur, je le Ok, mets à côté vas-y. de l'antenne, je Peut-être que le suppose. récepteur va nous indiquer un chemin et que genre on va ramasser beaucoup plus de ressources, tu sais, j'en sais rien. Waouh, attends, tu vas voir, c'est stylé. Oh yes! Ah, t'es vachement doué en T'as bricolage! vu ça? Vas-y, vas-y. Attention. Ok, oh. Nice! Alors, que ça veut dire ça? 60-27? Alors effectivement, on se rapproche de ce point. On s'en Ah, c'est la rapproche. distance. Oui. D'accord. Tu veux que j'aille sur l'île en attendant ou pas? Ben, j'ai la hache, donc peut-être je vais y aller moi. Il n'y avait qu'un arbre sur l'île en fait. Sérieux? Ouais, il n'y avait qu'un seul arbre. Ah, mais merde, non, attends, il y en a un deuxième. D'où je l'ai pas vu? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a nos trucs là. Dans 2 minutes, on pourra Ah récupérer oui, nos boîtes de on le hasard. voit bien même. Comment t'as pu le louper cet arbre? Je sais pas trop. C'est surtout, en fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est on en parlait la dernière fois, c'est que t'as vraiment un sentiment de progression. Parce qu'au début, tu commences vraiment, t'es en Ouais, galère. complètement. T'arrives pas à manger, t'arrives pas à boire, t'es au bord de la mort en permanence. Et là, en vrai, la survie, ça pose quasiment plus aucun problème. Le Ouais, là requin ne pose franchement, quasiment plus aucun problème. c'est clair. Et attendez qu'on ait les tourelles de guerre aussi. Là pour l'instant, c'est rien. Qu'on ait la MG42 pour tuer la mouette. Ah, complètement. Les canons antimissiles pour la mouette. Je te laisse jeter l'ancre comme tu le sens. Essaye de faire mieux que quand tu le fais sur Ouais, Sea bah, of Thieves. dès qu'on va passer. Ouais, je lance maintenant, on est à côté. Tu feras gaffe, il y a un énorme arbre en haut. Essaye de ne pas le rater. Essaye de ne pas le rater. Ah, super. Très belle imitation de Jacques Chirac. Très très réussi. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Votons Jacques Chirac. Ce qui est plus impressionnant, c'est que tu la connaisses par cœur. Chirac forever. J'ai envie de te dire. Un an déjà. Putain, ça fait déjà un an qu'il est dead. RIP, hein. Petit ange. Là, c'est notre coffre à plumes. Les plumes, ça nous sert de ouf. C'est faux. Grave. Vraiment, c'est les plumes. Après, on sait pas quand on arrivera sur. D'ailleurs, je me suis fait un pinceau avec les plumes. Quand on arrivera Ah oui. sur l'île, ça serait peut-être. Apparemment, il y a peut-être des. S'il y a des ours ou quoi, tu sais. Ouais, les plumes, ça peut. Ouais, ils détestent ça, je sais, les ours. Des ours, bien sûr. Bah oui. Ils détestent. On Je est. l'ai vu sur YouTube. Ouais, complètement. On se rapproche doucement de notre objectif. Doucement, doucement, Ah, mais je on suis s'en curieux de rapproche. voir ce que ça va être en vrai, tu sais quoi? Je me demande, ça va être une île ou un bateau, peut-être? Je pense que c'est une île. Je pense qu'il y a une île particulière. 270. On est vraiment proche, hein. On se rapproche. Hein. On est plus loin du tout. De toute façon, quand on arrive. Ah si! Surprise, Si, 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 si! surprise. Si, si, si! Là-bas où je regarde, tout en haut, il y a quelque chose, effectivement, c'est une sorte de plateforme. Ça ressemble à une sorte de plateforme pétrolière. Ah ouais, une plateforme pétrolière, ouais, complètement. C'est Ah, Sealand, ouais, désolé, parce qu'il y a ma complètement. caméra devant, regardez. C'est la Voilà. principauté de Sealand! C'est la Ah maison. ben oui, effectivement. Complètement. The Lord is back! Ah oui, putain, c'est vraiment un Alors, fat truc qu'il y a là-bas. Il y a des antennes partout et tout, il y a des éoliennes. Le mec avec qui tu joues, j'ai déjà entendu sa voix, il est pas animateur radio par hasard. Oui, c'était Morad sur Énergie à une époque. Je sais pas si tu te rappelles.
C'était un peu le concurrent de D-Fool. Oh là là, on y est. On y est. Est-ce que ça sera ça notre... Il se passe des choses. Il se passe des choses sur ce stream. Vas-y, lance le... l'encre. Lâche l'encre. Allez, c'est parti. Sealand. Bon bah je vais dessus hein. Let's go. Alors attends, je drop mes machins là et oh. J'arrive. Oh putain. Je me fais direct attaquer. Je suis sous l'eau. Putain, il y a des trucs sous l'eau en vrai aussi. Hein. Récupérer une note. J'ai trouvé une nouvelle note. Il est marqué Bruce, espèce de bâtard, je vais te buter. Certainement un ennemi de la chaîne y penser. Attends, il y a marqué, alors regarde là. J'ai attrapé un requin et je l'ai nommé Bruce. D'accord. Ah, c'est Bruce le requin. Bon écoute, c'est tout ce qu'il y a à faire je crois ici. Ah non, il y a une autre note ici, pardon. Ah, on me dit que des gens, 7744. Ah, d'accord, ok. Ouais, 7744, c'est bon. Nice. On est à okay. 1900 mètres. Ouais, et c'est totalement dans l'autre sens. C'est par ici. De toute façon, c'est dans le sens du vent. T'as arrosé les palmiers? Ah non, tu l'as pas fait. On occupe. C'était, tu me le dis vraiment sur le ton où ma femme elle me demande des trucs. T'as arrosé les palmiers? T'as rangé tes pompes? Alors, boulon. Ah oh, putain, j'ai pas de place. Bah, calme-toi. Tout va bien se passer. Oh. Je te sens un peu paniqué. Ouais. Tout va bien, ne t'inquiète pas. J'arrive, je te vois, je t'entends paniquer, j'arrive et tu te balades avec un énorme poisson dans la main. T'as pété... Ah merde, mais t'as pété un câble, Fred. T'es complètement malade. Ça va? Oui, attends, oui, attends. Ouais. Mais... Ça, je le cuis. Des planches, je ramasse ça. J'ouvre ça. Oui. Oh, oh putain, mais... T'as joui des cordes. Il a vraiment fait... Oh, il est beau notre radeau vu d'ici en vrai. Franchement, il a une bonne gueule. Hein. Il serait encore plus stylé si les arbres étaient vraiment grands. Mais il est vraiment stylé. Je vois une grosse... Une haute structure même en face. Ah ouais. Et ça a l'air d'être... C'est Plastic Beach. Ouais. J'ai du mal à distinguer ce que c'est pour l'instant. Mais ça a l'air énorme. On dirait une sorte de yacht. On dirait un paquebot en fait. Mais... En fait, c'est sur une île. Il y a une énorme c'est structure ça. Sur une île en fait. Ah, c'est un navire échoué, d'accord. Ok, je suis sur le bateau. Ah non, enfin... Comment t'as fait ? Attends, j'essaie de comprendre. Ok. En passant par l'arrière. Wow, t'as une piscine. Wow, hop. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'avoue, ça se mange ? Bah, je crois. Il y a un plan. Il y a une note aussi. Volant. On peut faire un volant, trop bien. Un moteur ! Oh là 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 là. Ah non, il y a un autre truc, Balboa. 0519. Ah, la prochaine destination. Tout à fait. Mais ce que je te propose avant de la faire, c'est qu'on fabrique quand même le volant et les moteurs. Ok, je fabrique le moteur. C'est fabriqué. On a un moteur que je vais placer. Oh, c'est gigantesque. C'est immense. C'est... Oh, mais le... Peut-être on devrait virer les panneaux, non ? Ah non, mais je peux le mettre à 1. Je vais le mettre ici. Attention, t'es prêt, c'est énorme. Hein. Vas-y. Ouf, ah oui, d'accord. Ah, steampunk. Ouais, changer de direction, activer la machine. Requiert planche. Mais il met des planches dedans ? Ah, vas-y. Ah yes ! Oh shit. Alors du coup, c'est ça n'a aucun sens parce qu'effectivement, c'est un bateau, c'est genre une roue, d'accord, ok. On avait masse boulons, ils sont d'accord, ils sont dans matériau raffiné. Toi, t'es vraiment un fan de boulons, toi, dans le jeu, hein, j'ai l'impression, t'aimes vraiment beaucoup ça, tu m'en demandes souvent. Ouais, c'est mon qui, ça m'excite, hein, moi, c'est les boulons. C'est ton petit kink. Tout ce qui est boulons, écrous, ouais, surtout ça. Les écrous, en fait. Ah oui, ça, bien sûr. Ouais, on peut peindre notre bateau. Écoute, pourquoi pas. On peut le peindre en rouge, comme ça il ira plus vite. C'est vrai que ça va souvent plus vite, hein, ça j'ai remarqué. Je repeins le navire en jaune. Hein. Tu repeins le navire en jaune ? Bien sûr, couleur JDG, etc. Ah oui. Je connais ça. Oh putain ! C'est pas jaune ça ? Si, c'est jaune. C'est jaune titi quoi. Pour moi c'est vert dégueu, un peu vert... Ouais, jaune curry. Ah, on va vraiment plus vite effectivement. Ouais. Oh là là, mais regarde-moi ce rafio incroyable ! Oh. C'est fou ce que nous faisons. On a enfin une proue et une poupe. C'est vrai, maintenant, ça a vraiment un sens, hein, effectivement. C'est plus un radeau, en fait, c'est un bateau, maintenant, pour de vrai. Ouais, c'est un vrai navire, un fier navire, j'ai envie de vous dire. De la frappe, en fait. Tout simplement. Tout simplement de la frappe. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Excellente musique.
Avant que le chanteur ne devienne fou. Coronavirus. Connard de virus. Il y a une méga île devant nous. Eh ben c'est ça, c'est notre objectif. Je la vois. Ah oui. Gigantesque. Ah oui, je la vois se dessiner à la rive. C'est là où nous devons aller. C'est Balboa. Ah oui, ça a l'air fat. Oh, mais attends, elle apparaît même pas, mais mille ans après... Oh là là. Tu veux qu'on regarde ça pour la prochaine fois ? Ça me semble le bon moment pour un cliffhanger, effectivement. Tout à fait. Cliffhanger de fin. Et on va devoir explorer cette île. Mais ce sera pour la prochaine fois, du coup. Pour la prochaine fois. Bien sûr. Et merci Antoine. Merci Fred. Cool. Un plaisir. Plaisir partagé.